tout le monde. Aujourd'hui, on est dimanche 15, c'est ça? Ou 14, je ne sais plus. Oui, 15, ça va. Et donc, on est au resto. Là, on a du thé froid. Que je trouve ça dégueulasse. Moi, je trouve ça dégueulasse. Et donc, en fait, là, on est pour aller voir. Comment s'appelle le truc? Inari Fushimi. Inari Fushimi, c'est les portes Tori, le grand truc. Bah, tiens. Le grand truc là. Donc, on va aller voir ça. Et donc, là, avec les Genzi. Arigato. Et donc voilà. Donc là on est au resto, on va manger des udon. T'as pris un udon? Ouais. Cool. Et voilà, c'est notre dernier jour à Kyoto. C'est notre dernier jour à Kyoto. Oh, ça te fait une grosse tête. voilà. L'autre partie du resto, on est sur des tables, dommage. Mais les autres, ils sont. Et des gens. Il y a des gens, ils sont là-dessus et c'est trop cool. Voilà. Donc voilà ce qu'on a pris. Donc Sophie, t'as juste un udon. Pourquoi t'as que ça, toi? Ah non, parce que t'as de la viande dedans. Et moi, j'ai un udon avec des makis. Et c'est la première fois qu'on mange des makis. Enfin, que je vais manger des makis alors que ça fait plus de. Bah, ça fait bientôt 3 semaines qu'on est là. On en a pas beaucoup, enfin. On voit moins de makis que. Enfin, en France, quoi. On a bien mangé là, on est bien rempli. Ah, regarde comment c'est joli le truc, c'est motif. Donc ça c'est les vœux des gens. D'habitude ce sont des plaques tout en bois. Mais là c'est en forme de porte Tori. Voilà le début des portes. これ、いつもある。
On a rien à foutre de passer devant les photos des gens. Ils vont se faire voir. Oh non. Là, on s'est arrêté prendre un truc à boire. Alors, focus, t'es où toi? Voilà. Donc, moi j'ai pris un chocolat au lait froid, je crois, avec de la crème. Et Sophie, c'est un jus de mangue avec de la crème aussi. Tout simplement. Bon, alors là, on s'est arrêté dans un café. Encore. Donc on cherchait le café, le Old Café, donc c'est un café, mais on n'a pas trouvé. Et à la place en fait, on a trouvé donc une pancarte avec marqué Dog's Café. Du coup on s'est dit trop bien, il y a des chiens, en fait non. Il y a un chien. Il y a un chien et la décoration en fait c'est des chiens, c'est ça le truc. Du coup bah, on a quand même pris un truc mais bon, tant pis. Du coup, un peu déçu. Donc voilà le gâteau, c'est un gâteau aux bananes avec une petite friandise pour chien. Et en fait, ce café, c'est pas un café où on a des chiens, où on vient des quartiers, c'est un café où on emmène son chien. Le monsieur va bien amener ses chiens.